Bien, hermano, ya estoy poniendo la video en directo en Facebook. Y mientras los hermanos se van a conectar, le voy a decirle a un hermano que está aquí en el sello que nos haga una oración. Veo que está mi hermano Antonio. Antonio, si me escuchas, estás por ahí, mi hermano, prueba de hacer una oración, me presenta delante del Señor, ¿vale? Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús, papá, por todo lo que haces, Señor, para nosotros, papá. Gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios de misericordia, Padre Santo, papá. Gracias por todo lo bueno que haces, Dios Santo, papá. Señor, papá, te quiero presentar a tu servio, papá. Papá, al que todo salga de tu dedo y de tu boca, papá. Que puede llenar su corazón, papá. Que puede usar tu manera, Señor, y tu forma de hablar, Señor. Que puede servir de eso, Señor. Que puede transmitir algo, Señor. Señor, je te prie, Señor, qu'il puisse, Señor, se servir de ta parole, Señor. Que ce soit pas la chair, Señor, qui parle, Amén. Mais ta parole, Señor. En el nombre de Jesús. Tu connais ton serviteur mieux que personne, Jésus, papá. Tu sais que c'est un homme, Señor, qui fait tout pour toi, Señor, Jésus. Qui est près de tout le monde, Señor, pour toi, papá. Qui apporte ta parole, Señor. Je te prie, Señor, papá, de poser ta main sur lui, Señor, pour qu'il puisse nous donner un message, Señor, qu'il puisse partager un moment avec nous, Seigneur, de ta parole, Seigneur, et nous donner une bénédiction à chacun, Seigneur, pour toi, papa. A ti sea toda la gloria, mi rey, papa. Mi alabanza, Seigneur, papa. Amen. Amen, Seigneur. Bien, gloria al Señor. Buenas noches a todos, Dios os bendiga. Le doy un saludo a todos los que estéis conectados, que Dios os bendiga mucho. Decirle es bueno de que estemos aquí reunidos para poder escuchar la palabra del Señor. Hay muchos casos que presentar. Luego, cuando yo termine de predicar, trataremos de presentar algunos casos. Mientras, quisiera ya entrar directamente en el mensaje del Señor, ¿vale? Voy a esperar solamente un minuto o dos, el tiempo que se vayan conectando los hermanos. Voilà. Hoy vamos a tratar de hablar de lo bueno que es de ser calificado para ser usado por Dios. También veremos de lo malo que puede ser descalificado y no poder ser usado entre las manos de Dios. Bien, ya empiezo, ¿vale?, con un verso. Este verso se encuentra en Primera de Corintios capítulo 9, verso 26-27. Alors, je vais prêcher en français. Par respect, par amour de Dieu envers certaines personnes qui font partie de l'Église, et jusqu'à maintenant je n'ai pas pu, ou en tout cas on n'a pas réussi à se faire interpréter. Mais ce soir, j'ai à cœur de par amour et respect envers ces personnes, j'ai à cœur de prêcher la parole de Dieu en français. Alors vous savez que je ne suis pas habitué à prêcher en français. Mais certaines paroles sont difficiles à trouver au bon moment. Donc il se peut que je fasse des petits temps d'arrêt ou que je ne dise pas la parole peut-être adéquate à la phrase. Mais ne nous arrêtons pas à cela. Prenons ce dont nous. Ce qui va te faire du bien ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, on va faire une première lecture dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 9
et au verset 26 et 27. D'accord ? Donc 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 et 27. C'est juste pour nous introduire dans le message, d'accord ? Bien. Il est dit ainsi, c'est l'apôtre Paul qui va écrire une lettre aux Corinthiens qui va dire ainsi. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je ne frappe non pas battant l'air, mais je discipline mon corps et je le soumets de peur d'être moi-même, écoutez bien, disqualifié après avoir prêché aux autres. Je vais répéter cette lecture. C'est très important pour moi que tu puisses bien écouter cette lecture. Alors, je vais la répéter, d'accord ? Dans d'autres versions, il y a un mot qui change de... J'ai pris la version qui m'a le plus impacté à moi, qui m'a paru le plus clair pour moi, et c'est celle dont je te partage, d'accord ? Donc, il est dit ainsi. C'est l'apôtre Paul qui parle et qui va dire, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je discipline mon corps, je l'assujettis et je le soumets de peur d'être moi-même. » Dans certaines versions, viendra le mot « désapprouvé ». Dans la version que je te lis, il est dit ainsi « de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres ». Vous savez, disqualifié. On peut très bien être qualifié et on peut très bien être disqualifié. L'apôtre Paul est en train de prendre un exemple et de parler tel un athlète. Un athlète qui s'inflige une règle de vie stricte afin que son corps soit un instrument efficace entre les mains de Dieu. Bien répété, l'étonne. L'apôtre Paul est en train de prendre un exemple et il s'adresse aux Corinthiens. Et il va prendre l'exemple d'un athlète. Et il va dire, voilà, moi je cours comme un athlète, comme un sportif de haut niveau, non pas comme à l'aventure, mais je discipline mon corps, je le soumets de peur d'être moi-même disqualifié. Comme un athlète, Paul va s'infliger une règle de vie stricte afin que son corps soit un instrument efficace entre les mains de Dieu. Alléluia. Vous savez, si je pose une question maintenant et que je dis « Qui veut être un instrument entre les mains de Dieu ?» Creo que todos nosotros, nous tous, voudrions être cet instrument de Dieu qui est utile entre les mains de Dieu. Pour cela, vous savez, il faut être qualifié. Hay que estar calificado. Il faut être qualifié. Et non seulement qualifié, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais aussi demeurer apte pour être toujours qualifié, pour éviter d'être disqualifié. Ce n'est pas tout d'être qualifié. Il faut demeurer apte de peur d'être disqualifié. Pour cela, je dois avoir une règle de vie stricte, tel un sportif de haut niveau qui assujettit son corps et le soumet, alléluia, afin de ne pas être disqualifié de la course. Bien, Paul, lui, savait qu'il n'était pas apte, il savait que s'il n'était pas apte au service, eh bien, Dieu pouvait à tout moment le disqualifier, le mettre sur le banc de touche. Et être mis sur la touche par le Seigneur, vous savez, il n'y a pas d'autre mot que disqualifié de la course. Et Paul, lui, savait qu'il n'était pas apte, il n'était pas apte à ce service-là, il pouvait se retrouver sur le banc de touche. Et c'est pour ça qu'en d'autres termes, je voudrais te dire que tu peux être qualifié aujourd'hui, mais rien n'empêche que par négligence, tu sois disqualifié demain. Oh. Paul le savait très bien ça, et c'est pour ça qu'il essayait de suivre une règle de vie stricte. C'est pour ça qu'il se forçait à assujettir son corps de peur d'être disqualifié. Bien, en d'autres termes, comme je t'ai dit, on doit tous savoir
Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, toi et moi, ou qui que tu sois, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es qualifié que par négligence, tu ne peux pas être disqualifié. Toute personne négligente peut être disqualifiée à tout moment. Jérémie, chapitre 48, verset 10, dira un verset très impactant, très fort, qui dit ainsi, « Malheur à celui qui fait les œuvres de l'Éternel avec négligence. » La négligence peut te disqualifier. Alors tu me diras, comment être qualifié? Tu n'as pas besoin d'être un athlète. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être un intello pour être qualifié. Car c'est Dieu lui-même qui qualifie tout le monde. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1 et au verset 4 et 5, la parole de l'Éternel déclare ainsi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. En d'autres mots, je t'avais qualifié avant même que tu naisses pour accomplir ma volonté. Pour que tu sois un instrument de bénédiction. Voilà ce que ça veut dire en d'autres termes. Dieu nous qualifie avant même notre jour de naissance. Et tout le monde peut être qualifié. Cela implique que nul ne peut dire « Moi, je ne sers à rien. Moi, je ne sais rien. Moi, tu es un plan de Dieu. Alléluia, recibeta. Tu es un plan de Dieu. Et Dieu t'a qualifié pour que tu sois un instrument de bénédiction entre ses mains. Ce qui est important maintenant que tu sais que tout le monde est qualifié, mais pas tout le monde demeure dans cette qualification. Beaucoup ont été disqualifiés. Donc ce qui est important, c'est de demeurer dans cette qualification afin de pouvoir rester entre les mains de Dieu, être un sujet de bénédiction entre les mains de Dieu. Vous savez, un homme dans la Bible a été disqualifié. Cet homme, c'était Saül, le roi qui avait été roi d'Israël. Cet homme a été disqualifié parce qu'il n'avait pas observé les ordres de Dieu. Écoute bien. Il a été disqualifié. Il a arrêté d'être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu parce que cet homme n'a pas observé les ordres de Dieu. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13 et au verset 14, Samuel va dire à Saül, ce roi, « Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel t'a ordonné. » Le fait de ne pas observer les commandements de Dieu a fait de lui un roi disqualifié. Ah! Et non accompli la sorte de Dieu te déqualifie. Cet homme, Saül, a agi sans consulter l'Éternel. Vous savez pourquoi? Il n'a pas consulté et il a agi sans consulter. Parce que cet homme n'avait pas une règle de vie stricte. Vous savez, j'ai regardé la définition de consulter. Et à combien cela m'a fait du bien, ça m'a fait sourire. Consulter veut dire demander avis et conseil à quelqu'un. Oh, alléluia! Le roi Saül n'avait pas consulté l'Éternel. Il n'avait pas demandé son avis. Il n'avait pas demandé conseil à Dieu. Il a agi par lui-même. Et lorsque tu ne demandes plus l'avis de Dieu, lorsque tu ne demandes plus le conseil à Dieu, alors c'est que tu es indépendant de lui. Et tu sais, être indépendant de Dieu, c'est être séparé de lui. Ta foi est le que tu dis, alléluia. Si tu ne consultes pas Dieu pour connaître quel est son avis, ça veut dire que tu te prétends être indépendant de lui. Et si tu te prétends être indépendant de Dieu, c'est que tu es séparé de Dieu.
Et la Bible déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 15, Jésus va dire, je suis la vigne, et séparé de moi, tu ne peux rien faire. En tout cas, tu ne pourras rien faire de bon si tu es séparé de Dieu. C'est ce qui a coûté une disqualification à cet homme appelé Saül. Lorsque tu ne cherches pas Dieu, lorsque tu ne consultes pas Dieu, tu cherches ta propre gloire, ton propre intérêt, sans valoriser ceux qui t'entourent. C'est alors que tu n'obéis plus au commandement de Dieu et tu es, retiens bien, disqualifié. C'est ce qu'avait fait Saül. Le fait de ne pas consulter l'Éternel, il n'a pas obéi au commandement de l'Éternel. Il a agi pour sa propre gloire. Il a oublié de donner la gloire à celui qui mérite toute la gloire. Il a été disqualifié. Néanmoins, dans le même livre, dans le même chapitre et dans le même verset, il est écrit que Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. La version en espagnol dira « Dieu s'est cherché un homme selon son cœur ». Tu sais, Dieu ne cherche pas seulement un adorateur. On répète souvent ce verset qui dira dans l'évangile de Jean « Dieu cherche un adorateur ou les adorateurs ». Mais Dieu ne cherche pas que les adorateurs. Il cherche pas seulement ceux qui adorent, mais ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et tu sais, Dieu cherchait un homme selon son cœur. Ça veut dire que celui qui adore en esprit et en vérité, c'est un homme qui est selon le cœur de Dieu. Et Dieu avait cherché cet homme. Cet homme, c'était David. Cet homme, selon le cœur de Dieu, était un homme qualifié pour servir d'instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi pour qu'il soit instrument entre ses mains. Être selon le cœur de Dieu, c'est être disposé à garder ses commandements. Eh oui, vous savez, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, et au verset 36, hacia abajo, il y a un homme qui va poser une question à Jésus. Et il va lui dire, « Seigneur, mon maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Et Jésus va lui répondre, « Tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu avec toute ton âme et de toute ta pensée. » Voici le premier grand commandement, et le deuxième est semblable à celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on parle de commandement de Dieu, même s'il y en avait 613, je crois, dans l'Ancien Testament, ils ont été comprimés en 10, les 10 commandements. Ces 10 commandements ont été recomprimés en 2, d'où résulte toute la loi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Voilà un cœur selon la volonté de Dieu. Voilà un homme prêt à être un instrument entre les mains de Dieu parce qu'il est selon le cœur de Dieu. Alléluia. David, cet homme, lui avait une règle de vie stricte. À différence de Saül, Saül ne consulta pas l'Éternel. Il cherchait sa gloire. David, il est dit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, au verset 4, que David a consulté l'Éternel avant d'aller combattre les Philistins. David consulta l'Éternel. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 2 et au verset 1, à nouveau,
nouveau, la Bible déclare que David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait monter dans une des villes de Juda. Un peu plus loin, dans le chapitre 5 et au verset 19, il est écrit « David consulta à nouveau l'Éternel pour savoir s'il devait à nouveau combattre les Philistins. » Cela veut dire, mes frères et sœurs, que David avait cette vie stricte, cette règle de vie stricte qui commençait par consulter l'Éternel. Pour demeurer apte, et pouvoir être cet instrument de bénédiction entre les mains de Dieu, n'oublie jamais de consulter l'Éternel, de demander son avis, de demander conseil. Alléluia. Il ne faut jamais cesser de le consulter. Vous savez, à différence de Saül, qui cherchait sa propre gloire, la preuve que nous sommes des instruments de Dieu, la preuve que David était un instrument de Dieu, la voici. C'était que David agissait non pas pour sa gloire. Si David restait qualifié pour être un instrument de la main de Dieu, c'est parce qu'il cherchait la gloire de Dieu. Mais où le voit-on? Lorsque ce géant Goliath est en train d'affronter l'armée d'Israël, voici apparaît David et il dit, mais qui est cet incirconcis qui est là et qui est en train d'affronter l'armée de l'Éternel? Il ne dit pas l'armée d'Israël, de l'Éternel. Lo que le causaba problema a David era porque estaba desafiando los escuadrones de Jehová. Ce qui causait problème à David, c'est qu'il est en train de défier l'armée de l'Éternel. Il va défendre la cause de l'Éternel. Et il va même donner la gloire à l'Éternel après sa victoire sur Goliath. Comment le voit-on? Vous savez, la mort de Goliath a été faite par décapitation. David avait pris l'épée de Goliath et il lui avait coupé la tête et avait donné la victoire à Israël. Il fallait maintenant donner la gloire à Dieu. Cet instrument de Dieu aurait pu prendre cette épée. Vous savez, l'épée de Goliath, c'était quelque chose. Avoir en possession l'épée de Goliath, c'était avoir toute une histoire entre ses mains. Il pouvait l'accrocher dans le mur de sa maison et il pouvait prétendre être celui qui a libéré le peuple d'Israël. Il pouvait prétendre être le seul vaillant guerrier qui a assumé et qui a voulu combattre le géant Goliath. Mais vous savez, un instrument de Dieu ne cherche pas sa gloire. Donc David ne voulait pas l'accrocher dans le mur de sa maison pour que les gens, lorsqu'ils rentraient, ne lui demandent pas, mais David, à qui appartient cette belle épée? Ça aurait donné l'occasion à David de dire, oh, cette épée, c'était l'épée du géant Goliath. Et c'est moi qui l'ai tué. Et voici, elle est là chez moi. Mais pour éviter de se donner cette gloire, cet homme, cet instrument de Dieu, avait pris cette épée du géant Goliath. Et il ne l'a pas ramené chez lui, il l'a ramené dans le tabernacle, la demeure de Dieu, la maison de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était en train de reconnaître à travers cet acte que la gloire d'avoir vaincu Goliath ne revenait pas à David. Elle revenait à l'Éternel notre Dieu. Et être un instrument de Dieu, c'est donner la gloire à Dieu. Alléluia. Qualifié. Vuelvo a repetir esto. Il se peut que tu sois qualifié aujourd'hui, mais que par négligence,
pour ne pas avoir consulté l'Éternel. Eh bien, à cause de cette négligence, tu peux te retrouver disqualifié demain. Autrement dit, tu peux être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu aujourd'hui. Mais si demain, par négligence, tu oublies de consulter Dieu, et tu ne demandes pas conseil à Dieu, et tu ne demandes pas l'avis de Dieu, eh bien, tu vas te retrouver à un moment donné à vouloir chercher ta propre gloire. Et à combien des fois, malheureusement, bien d'hommes ne se rendent même pas compte qu'au lieu de donner la gloire à Dieu, ils sont en train de chercher leur propre gloire. Vous savez, ces hommes-là, Dieu leur donne l'opportunité de se repentir. David a péché. Il n'a pas demeuré apte pour être cet instrument de bénédiction. Mais Dieu a donné l'opportunité à David de se repentir de son péché. Il avait commis, avec le respect que je vous dois, un adultère, prémédité un meurtre. Mais pourtant David, même s'il a péché, il s'est repenti. Et lorsqu'il y a une repentance, Dieu pardonne. Et Dieu te reprend entre ses mains. Et tu continues à être cet instrument de bénédiction. À différence de Saül a eu l'opportunité de se repentir. Mais il ne s'est pas repenti. À tel point qu'il est même arrivé à dire à Samuel le prophète, demande à ton Dieu. À ton Dieu, ce n'était plus le sien. Demande à ton Dieu. Il est arrivé à un point où il n'arrivait même plus à dire mon Dieu. Il confessait, demande à ton Dieu. Quel miedo d'être disqualifié des mains de Dieu. Nous devons persévérer, qu'on est au termino, persévérer à être cet instrument de bénédiction qui ne cesse de consulter Dieu afin d'embrasser les commandements de l'Éternel, afin de toujours donner la gloire à l'Éternel, afin d'aimer Dieu par-dessus tout, afin de pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous savez, aimer son prochain comme nous-mêmes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je vais te le dire, c'est avoir cette humilité d'aider ton prochain à pouvoir accéder aux endroits où toi tu n'as pas pu arriver malgré que tu l'as voulu. Mais tu n'es pas arrivé. Mais être humble, continuer à être un homme de Dieu, un instrument de Dieu, c'est même si moi je ne suis pas arrivé à ce point-là, je vais aider là où j'ai galéré cet homme ou cette femme afin que lui puisse y arriver plus facilement et qu'il arrive même plus loin que moi. Voilà le caractère d'un homme humble de Dieu, qui est un instrument de Dieu et qui ne cherche pas sa gloire, mais la gloire de Dieu, et qu'il aime son prochain comme lui-même. Gloria al Seigneur. En espérant que ces quatre paroles t'aient fait du bien, je voudrais prier avec toi 2-3 minutes. Et je voudrais que tu pries avec moi aussi, afin que si parmi nous, il y aurait une personne qui, ça fait un moment, ne consulte plus Dieu comme il devrait le consulter, ne consulte plus Dieu pour les décisions, ne consulte plus Dieu pour des conseils, eh bien, il est temps de te ressaisir et d'avoir cette règle de vie stricte. C'est très important. C'est très important. Tenemos que tenerla. Cette règle de vie stricte, afin de ne point oublier de consulter l'Éternel et de demeurer un instrument de bénédiction entre ses mains. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Et dans nos prières, quisiera que presentemos a este gitano, al Joaquín de la Bebe. Il est actuellement en réage, il me semble, où ils lui ont provoqué un coma.
On va prier pour lui, nous croyons en ce Dieu tout-puissant. Je voudrais qu'on prie aussi, s'il vous plaît, pour une prima de l'hermano Diego de la Isabel. Tout à l'heure, il nous a dit de prier pour elle. On va prier pour elle, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on prie aussi pour ma mère, car elle a manqué une marche dans les escaliers. Elle est tombée juste avant que je prêche. Et ça m'a mis mal à l'aise parce qu'elle n'était pas bien. Je voudrais qu'on la présente, s'il vous plaît. Je crois en ce Dieu tout-puissant. Et je sais que quand va y avoir la dépôt de la prédication, va estar bien. Alléluia. On prie le Seigneur, s'il vous plaît, tous ensemble, et pour tous les autres cas de maladie qu'on connaît, qu'on nous fait part. On prie pour tout cela. Et surtout aussi, n'oubliez pas. Prions pour les personnes qui ont cessé de consulter Dieu, qui ont cessé d'avoir cette règle de vie stricte, très importante. Amen. On prie le Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux t'exalter. Padre, quiero adorarte. Te quiero rogarte y suplicarte, mi rey, por toda persona, Dios mío, que están, Dios mío, al borde de una descalificación por no tener, Señor mío, aquella regla de vida, Señor. Padre, queremos, Dios mío, Señor, ser aquellas personas, Señor, que te consultan, ser aquellas personas, Dios mío, que no queremos, Dios mío, sentirnos independientes, a pesar que tengamos el libre albedrío. Entendemos, Señor, que dependemos de ti y no queremos, Dios mío, estar separados de ti. Queremos, Señor, estar, Dios mío, cerca de ti, Señor. Queremos pedirte consejo a ti. Queremos que nos dé, Dios mío, la directiva tú. Henos aquí para obedecerte a ti. Queremos ser instrumento, utensilio de bendición entre tus manos. Rogarte y pedirte, Rey amado, que extienda tus manos sobre cada enfermo, Señor. Padre, tus manos llagadas, Dios mío. Ruego que venga siendo un toque especial sobre ellos, confundiendo los médicos, trayendo sanidad divina en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Ruego por mi mamá también, Señor, para que tú la pongas bien y que no tenga necesidad, Señor, de ir al hospital, Señor. Padre, tu mano, Dios mío, dan el toque ahora en el nombre de Jesucristo. Señor, cómo no rogarte, Dios mío, por cada caso que nos presentan. Obra sobre cada uno de ellos. Dar una noche de descanso a mis hermanos, Señor, a sus casas, a su familia, a los que le rodean, a la iglesia, Señor. Danos dulce sueño, dulce despertar en el nombre de Jesucristo. Háblanos por medio de los sueños, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, Rey. Amén, Señor. Amén. Gloire a Dieu. Voilà, je termine donc. Nous parlerons bien évidemment avec l'ancien pour savoir quand est-ce que nous allons reprendre nos réunions. Vous savez que le président a parlé, il a autorisé à ce que les lieux de culte rouvrent avec un nombre maximum de 30 personnes. Donc on va parler avec l'ancien et on va mettre en place des groupes de personnes pour ceux qui veulent venir à l'église, hein, maximum 30 personnes. Et on fera, s'il faut, tous les jours des réunions de manière à ce que tout le monde puisse profiter de cette communion fraternelle et qu'on puisse être bien à nouveau rapprochés dans l'Église. Amen. Voilà. Pasar buena noche, que Dios su bendiga mucho, un abrazo y cuidaros mucho. Voilà, y hasta el domingo. Normalmente habrá otro culto, je ne sais pas si on va rouvrir dimanche ou non, pero si no estamos en el local, dans tous les cas, se hará en direct de Facebook. Qu'on soit dans le local ou pas, il y aura la retransmisión en direct sur Facebook. Amén. Voilà. Pasa buena noche y bendiciones para todos.